Shalom, bienvenue sur votre chaîne chrétienne Réveil TV, que le Seigneur vous bénisse. Et vous êtes en direct sur votre émission Réveillez-vous. Alors, nous allons continuer, n'est-ce pas, ce soir sur le thème que nous avons partagé, qu'on a commencé bien sûr à aborder la semaine, en semaine, ça veut dire mardi, le paganisme dans l'Église. On va présenter les moments entre les mains du Seigneur afin que l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, nous guide. Et que la chair, n'est-ce pas, ne nous joue pas des tours. Surtout que les cœurs, n'est-ce pas, des enfants du Seigneur soient connectés à la voix de leur Père qui parlera, bien sûr, n'est-ce pas, à leur cœur ce soir. Adonai, nous te bénissons. Papa, nous te rendons grâce. Donne-nous la force, Père, de saisir ta pensée. Papa, nous prions, Père, que tout obstacle soit voué à l'échec au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons, Père, parce que nous savons que tu es fidèle et que tu vas épargner toutes les distractions que l'ennemi mettra en place pour empêcher ton peuple à saisir, à écouter, Seigneur, Père, ta pensée. Gloire, honneur et louange à toi, au nom de Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Alors, nous parlons sur le paganisme dans l'Église, l'Église paganisée. Et quand on parle de l'Église paganisée, ça veut dire que c'est une Église, n'est-ce pas, qui est sortie des concepts bibliques. C'est une Église, bien qu'il est vrai, n'est-ce pas, qui aura le nom du Seigneur Jésus-Christ à la bouche. Mais comme les Écritures le disent, le signifie bien, n'est-ce pas, qu'ils auront le nom du Seigneur à la bouche, mais par les œuvres ou encore par leur vie, voilà, cette église ou encore ces gens, n'est-ce pas, vont régner le maître qui est mort à la croix, n'est-ce pas, pour le pardon, n'est-ce pas, de nos péchés. Et quand nous lisons, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, nous allons lire Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, nous allons comprendre que dès la base, n'est-ce pas, le diable a toujours voulu, n'est-ce pas, chercher à se faire adorer. Il a toujours, n'est-ce pas, cherché à régner, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. Après la chute, n'est-ce pas, de Adam et Ève, les premiers hommes, n'est-ce pas, alors le diable, n'est-ce pas, va tenter à nouveau parce que la chute d'Adam et Ève, n'est-ce pas, introduit directement, n'est-ce pas, le diable à la gouvernance, n'est-ce pas, à la gestion de ce monde. Il est devenu, n'est-ce pas, le roi de la terre parce que Adam, n'est-ce pas, a failli, n'est-ce pas, dans la mission qu'il avait reçue du Seigneur. Adam a failli et à l'arrivée, n'est-ce pas, de Yeshua, de Jésus-Christ, le diable va tenter, n'est-ce pas, de refaire, de reproduire la même chose qui s'était passée, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Mais malheureusement, il va échouer. Pourquoi? Parce que devant lui, il avait en face de lui, n'est-ce pas, son créateur. Voilà, quand je dis créateur, parce que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu, 100% Elohim. Alors donc, dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, regardons un peu ce qui s'était passé. Toujours, n'est-ce pas, il faut avoir vos Bibles, n'est-ce pas, afin qu'ensemble, on examine tout ce qui s'est dit à la lumière des Écritures. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. La Bible dit, « Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. » Donc, frère, les royaumes du monde là, n'est-ce pas, et la gloire qu'incarne, n'est-ce pas, ces royaumes là, frère, ne vient pas, voilà, cette gloire là, n'est-ce pas, ne vient pas du Seigneur. Oui, la Bible dit que le royaume de ce monde-là, n'est-ce pas, le diable va montrer ce royaume et leur gloire sur le plan économique, sur le plan militaire, hein, sur le plan, ouais, un peu tout le bling-bling aujourd'hui, n'est-ce pas, que les royaumes dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas, mettent en exergue, voyez un peu, c'est une gloire, n'est-ce pas, qui vient du diable. Et le diable, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer, n'est-ce pas, ces royaumes et la gloire qu'incarne ces royaumes-là, qui à l'autre Seigneur Jésus, parce qu'il voulait, n'est-ce pas, le séduire. Regardons la suite. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, voyez un peu, les royaumes et la gloire. Voyez, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc le diable, n'est-ce pas, il a toujours cherché à se faire adorer. Son but, n'est-ce pas, c'est de se faire adorer. Voilà, donc, et il utilise, n'est-ce pas, des moyens, n'est-ce pas, rusés, voyez un peu, pour atteindre le cœur de l'homme, lui présenter, n'est-ce pas, des choses à vue d'œil qui semblent être bien, mais en fait, en réalité, n'est-ce pas, c'est des gros poisons pour nous. Voyez, il va dire au Seigneur, n'est-ce pas, si tu te prosternes et m'adores, n'est-ce pas, je te donnerai, n'est-ce pas, tous ces royaumes-là et la gloire, n'est-ce pas, que connaissent ces royaumes. Et le Seigneur, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il dira? Voilà. La suite, la Bible dit, et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul. Vous voyez, Jésus va refuser, n'est-ce pas, la proposition du diable. Mais malheureusement, n'est-ce pas, beaucoup dans ces temps de la fin vont accepter de collaborer, n'est-ce pas, de faire partie du chemin, n'est-ce pas, avec le diable. Ils vont accepter, n'est-ce pas, de vendre leur âme à cause de la vaine gloire, à cause des voyages, à cause du succès de ce monde. Vous voyez? Et Jésus, n'est-ce pas, va refuser ces choses-là. Il va refuser. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'adoration était destinée, n'est-ce pas, au seul, véritable, unique Dieu, à l'Élohim tout-puissant. C'était lui, n'est-ce pas, à qui nous devons adorer, n'est-ce pas, nous devons adorer, nous devons élever, nous devons le magnifier. Et Jésus va repousser, n'est-ce pas, l'offre du diable. Mais, comme je le disais tantôt, n'est-ce pas, tout à l'heure, beaucoup, n'est-ce pas, malheureusement, vont succomber, vont accepter, un peu, de prendre, n'est-ce pas, les richesses, la vaine gloire, n'est-ce pas, que le diable va leur offrir, un peu, et malheureusement, n'est-ce pas, c'est ce repris de leur âme. Et vous savez, quand on parle de l'église paganisée, frère, alors, ce paganisme-là, n'est-ce pas, le diable va réussir, n'est-ce pas, à s'introduire dans les maisons de Dieu. Regardons 2 Thessaloniciens chapitre 2, que nous avons lu la dernière fois. Voilà, 2 Thessaloniciens 2. Voilà. Deuxième épître de Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Voilà. Il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Séduire veut dire sortir aussi du droit chemin. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc la Bible nous dit ici, n'est-ce pas, que le but du diable, n'est-ce pas, est de rentrer dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Donc il veut se faire adorer, vous voyez, il veut se faire adorer. Et dans Ésaïe au chapitre 14, verset 13 à 14, regardons Ésaïe 14, verset 13 à 14, vous allez voir qu'en fait, les manigances du diable, n'est-ce pas, ne datent pas d'aujourd'hui. Mais c'est des vieilles manigances, c'est des vieilles manœuvres, n'est-ce pas, que le diable a toujours utilisées, n'est-ce pas, parce qu'il a toujours voulu imiter le Seigneur. Il a toujours voulu, n'est-ce pas, être l'égal de Dieu. Ouais, dans Ésaïe, n'est-ce pas, 14, verset 13 à 14, regardez la Bible dit, « Tu disais en ton cœur, là, on parle, n'est-ce pas, du diable, ouais, un peu, Lucifer, tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Vous voyez, il était prétentieux. Il voulait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu Tout-Puissant. Il dit, « Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. » Vous voyez, donc, il voulait ressembler, il voulait être l'égal de Dieu. Donc, il était déjà, n'est-ce pas, prétentieux. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, il avait des motivations impures, des motivations de cœur qui étaient impures. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le diable a toujours cherché, n'est-ce pas, à tout faire pour recevoir l'adoration, pour se faire adorer. Même ce passage nous montre, même au ciel, n'est-ce pas, il avait déjà, n'est-ce pas, de telles intentions. Vous voyez, son cœur est tellement méchant que même au ciel, il a voulu, n'est-ce pas, voler la louange qui revenait au seul et unique à Adonai. Oui, donc maintenant, quand il vient sur terre, frère, on comprend que son plan ne change pas. Il veut régner, il veut se faire adorer, il veut se faire exalter, il veut se faire vénérer, il veut se faire célébrer. Oui, un peu. Et comme la Bible nous dit que le monde est sous la puissance du diable, alors ben, les seuls, n'est-ce pas, qui n'adorent pas le diable, c'est bien sûr, n'est-ce pas, l'Église du Dieu vivant, ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, donc, il va tout faire, n'est-ce pas, pour paganiser l'Église du Seigneur, pour introduire des fausses doctrines, pour introduire un feu étranger, n'est-ce pas, dans les églises, pour parvenir, sinon réussir à se faufiler subtilement, n'est-ce pas, afin de se faire adorer. Et comme, n'est-ce pas, les chrétiens ont perdu tout discernement, frère, le monde rentre, n'est-ce pas, de plein pied dans les églises. Le monde est plein dans les églises. Il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, la façon dont les gens sont vêtus. Il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, des chants païens, mondains, qui sont complètement dans le monde. Les gens ne se convertissent plus parce qu'on ne leur prêche plus la sanctification, la crainte de Dieu. On ne leur prêche plus la repentance.
Oui, un peu. Ben, c'est un évangile édulcoré qui nous dit non, Dieu est amour, Dieu pardonne tous les péchés, Dieu tolère tout. Vous voyez, Dieu tolère tout. Ben, le Seigneur permet aussi, il sait que nous sommes faits de chair. On ne peut pas vivre sans péché parce que nous sommes faits de chair. Donc, on pêche un peu, le Seigneur comprend. Il cautionne cela parce qu'il, sait, parce qu'il est amour. Vous voyez, un évangile complètement faux, un évangile tronqué, un évangile qui n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec le fondement apostolique. Vous voyez un peu. Et le diable va entrer, n'est-ce pas. La Bible dit qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, voilà pourquoi, frère, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons vraiment faire attention parce que les temps sont mauvais. Vous voyez. Quels sont les signes, n'est-ce pas, qui montrent que réellement, n'est-ce pas, tu as reçu Jésus? La parole, elle est claire. La parole, elle est claire. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Jean au chapitre 3, Évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible dit, « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Oui, Nicodème qui était un chef des Juifs, qui était un pasteur, qui était un prêtre à son époque, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu ne fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc ici, Jésus-Christ parle, n'est-ce pas, de la naissance, de la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Et d'ici un homme de né d'en haut, né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc on a besoin d'expérimenter, sinon de passer par la nouvelle naissance. Vous voyez? Et continuons. Voilà. Il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Donc Nicodème, qui enseignait les gens, ne comprenait pas les principes du royaume. Il enseignait les gens de manière religieuse. Lui-même, n'est-ce pas, il n'était pas sauvé. Mais il voulait conduire les gens à Dieu quand bien lui-même il ne le connaissait pas. Et nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de prétendus prophètes, pasteurs, évangélistes, n'est-ce pas, ne sont pas convertis. C'est des personnes qui sont esclaves du sexe, qui sont esclaves de l'alcool, qui sont esclaves de l'argent, mais qui conduisent, n'est-ce pas, le troupeau du Seigneur, frère, alors qu'eux-mêmes ne sont même pas nés d'en haut. Ben, Jésus-Christ dit quoi? Un aveugle qui conduit d'autres aveugles, tous tomberont dans un trou. Vous voyez? Et Nicodème, n'est-ce pas? Voici l'image de Nicodème. Nicodème, c'est aussi l'image de toutes ces personnes-là qui parlent de la part du Seigneur, mais qui n'ont jamais expérimenté la naissance d'en haut, qui ne sont jamais, n'est-ce pas, nés de nouveau. Ils n'ont jamais été régénérés dans leur homme intérieur, dans leur esprit. Rien. L'intelligence, n'est-ce pas, est charnelle, elle est mondaine. Voilà pourquoi, frère, il y a autant de scandales aujourd'hui dans les assemblées où nous voyons, n'est-ce pas, ben, des pasteurs. Ouais, un peu, ben, qui entretiennent des rapports extra-conjugales, n'est-ce pas, avec des femmes mariées ou encore avec des chantres. Vous voyez, ben, c'est parce que beaucoup ne sont pas passés par la naissance d'en haut. Vous voyez, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on a besoin de naître d'eau et d'esprit. Vous voyez, ben, l'eau dont il est question là, c'est quoi? Jacques chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jacques 1, verset 18. Alors, frères et sœurs, nous vous exhortons, n'est-ce pas, d'avoir vos Bibles avec vous, n'est-ce pas, et d'examiner la doctrine, n'est-ce pas, les saintes écritures. Vous savez, les temps sont mauvais, il faut être très vigilant, parce que, frères, ben, si nous jouons, n'est-ce pas, avec l'Évangile, notre vie, notre éternité, n'est-ce pas, en dépend. Jacques, chapitre 1, verset 18, lui dit, « Il nous a engendrés. » Donc, ça veut dire que nous engendrer, ça veut aussi dire naître. Et il nous a enfantés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, nous avons été, n'est-ce pas, enfantés. Voyez un peu. Donc, quand Jésus-Christ dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, l'eau dont il fait allusion ici, n'est-ce pas, dans Jean, voyez un peu, ce n'est pas l'eau du baptême, c'est l'eau de la parole. Et quelle parole? La parole de vérité. Voyez, l'évangile de la vérité. L'évangile christocentrique, l'évangile qui est basé sur la personne de Jésus. Pas un évangile, n'est-ce pas, basé sur une dénomination. Pas un évangile basé sur un prophète. Pas un évangile, n'est-ce pas, basé sur une église. Pas un évangile, n'est-ce pas, sur une congrégation. Non. Ou bien, soi-disant, n'est-ce pas, un homme qui a reçu une révélation, qui prétend être le prophète du temps de la fin. Non. Qui parle de l'évangile de la vérité. Ça veut dire, Jésus-Christ est venu sur terre, homme, n'est-ce pas, hein, proclamons, n'est-ce pas, la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez un peu, afin que, n'est-ce pas, les âmes
vois un peu, les hommes, nous qui étions pécheurs, séparés de Dieu, que nous puissions écouter la parole, n'est-ce pas, afin que par cette parole-là, nous puissions recevoir la puissance de Dieu qui nous délivre de la servitude du péché, de l'esclavage du péché. Jésus-Christ mort, n'est-ce pas, ressuscité, mort à cause de nos péchés, ressuscité par la puissance de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, afin que tous ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas, bénéficient de cette puissance de la résurrection. C'est ça l'Église, c'est ça l'Évangile véritable. Or, cet Évangile, n'est-ce pas, est biaisé, cet Évangile est masqué. Alors, on propose, n'est-ce pas, aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, voyez, un Évangile autre, n'est-ce pas, que celui, n'est-ce pas, de la croix. Vous voyez, ben, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ben, des chrétiens, n'est-ce pas, ne peuvent pas, voyez, peu, vivre la sanctification. Des chrétiens, n'est-ce pas, il n'y a pas de transformation entre leur ancienne vie, n'est-ce pas, et leur vie depuis qu'ils fréquentent des assemblées, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de transformation. C'est toujours dans le même péché, c'est toujours dans la même chose. L'intelligence n'a jamais été régénérée. Voyez, la parole de la vérité, la Bible nous dit, donc Jésus va dire à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, doit venir en nous, et parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, n'est-ce pas, de vivre une vie de sanctification. Mais si les chrétiens aussi facilement mentent, si les chrétiens aussi facilement, n'est-ce pas, volent, si les chrétiens aussi facilement trichent, ben c'est parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont reçu un autre esprit, l'esprit de l'égarement, l'esprit du monde. L'esprit du monde, vous voyez. 1 Jean, n'est-ce pas, chapitre 4, à partir du verset 2. Voilà, que nous dit la Bible là-bas? 1 Jean, chapitre 4, verset, à partir du verset 2. La Bible dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Confesser veut aussi dire vivre, rendre témoignage. Des vrais chrétiens ne parlent pas seulement des lèvres, mais par leur vie, n'est-ce pas, ils témoignent de ce que leur bouche confesse comme vérité. Vous voyez? Il dit, reconnaissez en ceci l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Vous voyez? Continuons. Vous voyez la Bible dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde, dont l'esprit de l'erreur, n'est-ce pas? Beaucoup sont baptisés de l'esprit de l'erreur, l'esprit d'Antéchrist. Anté, ça veut dire contre Christ, ou avant Christ. Donc un esprit, n'est-ce pas, qui va pousser les gens à se rébeller contre leur créateur. Vous voyez, la Bible dit, tout esprit qui ne confesse pas. Confesser, ça veut dire aussi, tout, n'est-ce pas, tout esprit qui ne t'amène pas à vivre la vie de sanctification n'est pas de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas reçu le bon esprit. Voyez, et or, voyez, le paganisme aujourd'hui dans les assemblées, c'est quoi? Ça veut dire les chrétiens, n'est-ce pas, sont basés sur les émotions. Voyez un peu, un évangile émotionnel, un évangile qui est basé sur les sensations, où les gens crient, poussent des cris d'animaux, ils s'enroulent au sol. Voyez un peu, mais les vies ne changent pas. Les mêmes esprits qui se manifestent dans les corps, mais depuis des années, ces esprits ne les quittent jamais. Voyez un peu, et voilà. Donc les gens ne changent pas. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens qui s'enroulent par terre là, frère, ne sont pas convertis parce qu'elles n'ont jamais rencontré Jésus, elles n'ont jamais écouté l'évangile de vérité. Il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, la conviction, n'est-ce pas, du péché, produit par quoi? Par l'évangile de vérité, comme nous avons lu tout à l'heure là, dans Jacques chapitre 1, verset 18. L'évangile de vérité. Donc, être engendré, régénéré, ils ne sont jamais passés par là. Vous voyez, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui sont venues dans des assemblées, bon, à cause d'une maladie, à cause d'une situation difficile, ou bien c'est parce que, bon, on a invité, voilà, il faut venir à l'église, ainsi de suite, vous voyez un peu, mais il n'y a jamais eu une rencontre réelle entre Dieu et cette personne-là. Vous voyez donc, vous voyez, et après, à cause de leur assiduité, n'est-ce pas, à cause de leur fidélité, ou encore d'autres aussi à cause de leurs moyens, vous voyez, on finit, n'est-ce pas, par leur confier des tâches en assemblée, diacres, diaconesses, anciens, ben, c'est les gens, n'est-ce pas, qui ne s'empêchent pas de pécher, d'être dans l'adultère, d'être dans la fornication, vous voyez un peu, de tricher, de se bagarrer, d'être esclave de l'alcool, vous voyez un peu, c'est des gens qui boivent, vous voyez, ils sont ivres. Parce qu'il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, de régénération. Il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, de nouvelle naissance, de naissance d'en haut. Jamais. Et les assemblées, n'est-ce pas, sont remplies de telles personnes. Si nous sommes dans des assemblées où, ben, des personnes qui sont censées nous encourager, n'est-ce pas, dans la louange ou dans des cantiques, ben, où la majorité, c'est des inconvertis. Mais
quelle semence recevons-nous? La Bible dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, d'éprouver les esprits. Il y a des esprits malins qui ne sont pas de Dieu, mais qui imitent le Saint-Esprit. De la même façon que le diable veut se faire adorer, ben c'est comme ça que le faux esprit de Dieu, n'est-ce pas? Le faux esprit, n'est-ce pas? Qui est l'esprit du diable, vois un peu? Voilà, il imite le Saint-Esprit du Seigneur, vois un peu? Et il donne des faux dons, il donne des faux talents, il donne des fausses prophéties, il donne des faux parler en langue, il donne des fausses visions à beaucoup de personnes, mais tellement que les gens sont dépourvus, n'est-ce pas, de toute intelligence, bien sûr, concernant la parole du Seigneur, ou un peu, les gens mettent foi, les gens acceptent ces choses-là, disent amen. Vous voyez, mon peuple est détruit, n'est-ce pas, ou est encore égorgé parce qu'il manque là la connaissance. Pourquoi? Mais c'est la Bible dit par la suite, mais comme ils ont rejeté la vérité, le Seigneur permet aussi, n'est-ce pas, à ce que ces esprits-là, n'est-ce pas, voyez un peu, les amènent, n'est-ce pas, dans l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, n'est-ce pas, n'aiment plus la vérité. Et ce sont les esprits trompeurs. Dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er. Regardons, frères et sœurs. Lisons attentivement la parole. La parole, n'est-ce pas, derrière la parole, il y a la vie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1er, il dit, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et nous sommes dans ces derniers temps-là, nous sommes dans les temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi. Donc ça veut dire que c'est des personnes, n'est-ce pas, qui ont connu le Seigneur, voyez un peu, comme dans 2 Thessaloniciens que nous allons tout à l'heure là, l'apostasie. Donc ils vont abandonner la foi, l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'ils vont accepter, voyez un peu, les propositions du diable. Nous avons lu dans Matthieu 4, versets 8 à 9, la Bible dit que le diable va dire à Jésus que si tu m'adores, tu te prosternes, je vais te donner, n'est-ce pas, tous ces royaumes-là et leur gloire. Donc la Bible dit que quelques-uns vont abandonner la foi. Donc beaucoup de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le diable va arriver, ne va réussir, n'est-ce pas, à les séduire, à leur faire sortir, n'est-ce pas, de la bonne course, n'est-ce pas, pour les amener dans l'égarement. Il dit pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voyez un peu. La Bible dit que ce sera des esprits, n'est-ce pas, séducteurs et des doctrines inspirées par le diable. Et ces doctrines-là, c'est quoi? Frère, ben c'est simple. Dans ces temps de la fin, n'est-ce pas, le paganisme dans l'Église va imposer, n'est-ce pas, certains faux leaders, n'est-ce pas, ou encore ceux qui ont marché avec le Seigneur, mais à cause de l'amour de l'argent, vont imposer à leurs fidèles, n'est-ce pas, d'apporter l'offrande des prémices. Ils vont prendre des références, n'est-ce pas, sur Lévitique 23. Des passages qui vont sortir, n'est-ce pas, de leur contexte. Ils vont sortir les passages hors contexte. Apportent des prémices. Les prémices, ça veut dire les premières récoltes. Vous voyez, en hébreu, sous la loi de Moïse, les Hébreux offraient cela au Seigneur. Donc, ils vont dire, n'est-ce pas, aux chrétiens, bien sûr, apportez, n'est-ce pas, les prémices. Ça veut dire votre premier salaire. Tout ce que vous allez recevoir, n'est-ce pas, le mois de salaire, venez donner à l'Église. Or, les prémices, bibliquement, préfiguraient la résurrection des saints. Vois un peu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que Christ comme prémisse, n'est-ce pas, il a ressuscité, ainsi que tous ceux qui vont croire en lui. Voyez, donc ils vont sortir ce passage-là hors contexte, voyez, parce que c'est des gens, n'est-ce pas, qui sont déjà conduits par des démons, et ils vont, n'est-ce pas, enseigner des doctrines démoniaques qui n'ont aucun fondement biblique. Mais comme le peuple, n'est-ce pas, ne lit pas, ou bien il y en a qui lisent, vois un peu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu parce qu'ils ne sont jamais passés par la naissance d'en haut, alors ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Donc, c'est les gens qui seront toujours victimes, n'est-ce pas, les soi-disant prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. Ouais, la Bible dit qu'ils vont s'attacher, n'est-ce pas, à les doctrines des démons. Donc, on va te demander, n'est-ce pas, d'apporter l'offrande des prémices. Frère, les prémices, c'était la résurrection. Les Paul, les Pierre, n'est-ce pas, les naissances de l'Église, la première Église, n'ont jamais demandé, n'est-ce pas, les offrandes des prémices. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la parole. Oui, on va vous imposer, n'est-ce pas, des sommes d'argent, n'est-ce pas, pour recevoir la prière, la délivrance. Christ a dit dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais il y a des montants, n'est-ce pas, qu'on vous exige, n'est-ce pas, pour les rencontres des hommes de Dieu. Voyez un peu, c'est le paganisme. Ça veut dire que c'est l'église paganisée. C'est une église, n'est-ce pas, où Satan reçoit la louange et se fait adorer. Voilà. Frère, ben ça fait mal, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes dans une génération ben, qui n'aime pas la vérité. Une génération, n'est-ce pas, corrompue. Une génération qui veut les miracles, une génération qui veut la guérison, une génération qui veut la bénédiction, mais une génération qui n'aime pas la vérité.
Ouais, oh, la parole, elle est claire. La parole, elle est claire. Matthieu chapitre 7, verset 15, à partir du verset 15. Regardons, Matthieu chapitre 7. Comment identifier un faux prophète? Ou encore, comment peut-on reconnaître un véritable enfant du Seigneur? Comment peux-tu savoir si tu es réellement né d'en haut? Mais Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous voyez, ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, faites attention. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Parce que les faux prophètes, n'est-ce pas, ne pourront jamais vous conduire vers le Père. Les faux prophètes ne pourront jamais vous conduire, n'est-ce pas, à vous préparer, à se sanctifier, à rencontrer Jésus. Non. Les faux prophètes, n'est-ce pas, vont vous gaver des fausses doctrines, d'un évangile faux, pour faire de vous des potentiels candidats pour les temps de feu, pour l'enfer. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, voyez un peu, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, c'est des gens, par leur apparence de piété, tu peux te dire que voici un vrai homme de Dieu, voici un vrai chrétien. Mais la Bible dit qu'à l'intérieur, ben, ce sont des loups, voyez un peu. Alors, voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens prennent de l'argent, ils vendent de l'eau, ils vendent de l'huile, ils vendent le sel, voyez un peu. Ben, les églises deviennent, n'est-ce pas, des centres de commerce, des centres commerciaux, n'est-ce pas, où des gens vont faire des courses. Ils vont acheter des huiles spirituelles, l'huile spirituelle, le sel spirituel, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour faire des potions magiques. Afin que ceux qui sont troublés, n'est-ce pas, par des démons, obtiennent provisoirement un soulagement. Or, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la conséquence, n'est-ce pas, de la possession de certaines personnes et aussi due à l'état de leur vie. Il y a beaucoup qui sont dans le péché, qui sont dans l'adultère, qui sont dans le concubinage, qui vont consulter les marabouts. C'est-à-dire que lorsque tu es dans de telles pratiques, en fait, tu ouvres des portes au diable. Et comme le diable ne vit que là où il y a le péché, alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, il vient posséder ces personnes-là. Et quand le diable habite en toi, ben, il va troubler ta vie. Le problème de ventre, le mal de tête, le mal d'estomac, il va troubler ta vie, il va troubler ta santé parce que tu es sous la tyrannie d'un méchant maître qui est le diable. Vous voyez, mais eux, ils ne vont pas enseigner la vérité au peuple. Ils vont dire au peuple, non, ben, si tu es là, ben, c'est parce que dans ta famille, il y a ton père qui va te tuer. Voilà pourquoi les familles sont divisées. Il y a ton grand-père qui est sorcier, il y a ta mère qui est sorcière. Vous voyez un peu, nous voyons aujourd'hui même des pasteurs, n'est-ce pas, qui mettent, vous voyez un peu, les familles de côté, mais qui organisent les mariages, n'est-ce pas, des fidèles de leur assemblée. Vous voyez un peu, les parents sont complètement mis de côté. C'est le pasteur qui perçoit même, n'est-ce pas, tout l'argent, les honneurs, vous voyez un peu, à la place de la famille. Frère, ben, c'est le paganisme. Le mariage est d'abord une fête familiale selon les Écritures. C'est le père et la mère qui marient leur enfant. Vous voyez? Il n'est pas écrit dans la Bible que les pasteurs, n'est-ce pas, doivent marier des gens. Non! Ce n'est pas l'évangile. Le paganisme, n'est-ce pas? Vous voyez un peu, Satan a introduit des fausses doctrines, il a introduit des fausses fêtes, les fêtes païennes, n'est-ce pas? Pour davantage, n'est-ce pas, endurcir le cœur des hommes afin que l'homme s'éloigne de plus en plus de son Créateur. Pour la perdition, pour l'éternité dans le feu. Voilà. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, il dit, vous les reconnaîtrez, n'est-ce pas? Il dit, gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent en vous avec des vêtements, n'est-ce pas, des brebis, mais au-dedans, voyez un peu, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, c'est des gens qui sont sans pitié, mais des personnes déjà affaiblies, par la pauvreté, par la précarité, ben on dépouille des veuves qui n'ont même pas assez de finances. On leur demande de payer des dîmes, on leur demande de rencontrer, n'est-ce pas, de payer des rencontres avec des hommes de Dieu. Voyez un peu, on impose des badges lors des concerts chrétiens. Voyez un peu, des concerts chrétiens, on impose un montant. Il faut payer 5 000, il faut payer 15 000, VIP, classe éco, ainsi de suite. Frère, ça devient du business, c'est de la cacophonie spirituelle. Le monde va mal. La Bible dit qu'au-dedans, n'est-ce pas, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils sont sans pitié. Un loup, quand il est devant toi, frère, sœur, il veut te dévorer. Oui, continuons, frère. Voilà. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un peu. On ne reconnaît pas un chrétien, ben c'est parce qu'il porte la Bible ou bien c'est parce qu'il chante. Non, c'est le fruit. Le fruit, c'est quoi? Ça veut dire, c'est la vie du Seigneur en nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire à Nicodème, mais comment peux-tu, n'est-ce pas, hériter le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau? Parce que tu as besoin, n'est-ce pas, de connaître cette nouvelle naissance-là. C'est la nouvelle naissance-là qui t'amène, n'est-ce pas, à ne plus marcher comme autrement, comme autrefois, à changer ta mentalité, à changer ton langage, à changer
ta façon de te vêtir, a changé ta façon de te comporter. Une chrétienne ne peut plus sortir de chez elle pour séduire. Des chants qui vont chanter à l'assemblée, n'est-ce pas, en coulant. Le monde est perdu. Il dit, vous les reconnaîtrez par quoi? Par le fruit. C'est par le fruit. C'est par le fruit que nous reconnaissons qui est chrétien et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, frère, nous sommes dans la confusion. Qui est réellement chrétien? Les jeans déchirés, les habits complètement, n'est-ce pas, c'est la mode. Tout ce qui sert le corps, les parties du corps sont exposées, hommes comme femmes. Faut un peu, c'est parcourir, n'est-ce pas, nos rues aujourd'hui, n'est-ce pas? Ben, c'est toute une souffrance pour les vrais chrétiens parce que tu seras exposé à un défilé de mode de nudistes où les gens sont constamment nus et consciemment. Ou un peu, mais avec des bibles, avec des t-shirts, n'est-ce pas, Nouvelle Jérusalem, percée spirituelle, ou un peu, retour à l'envoyeur, ou un peu, l'identité prophétique, avec tous ces slogans-là. Mais quand on regarde le fruit, frère, le fruit, il n'y a vraiment rien. C'est complètement, n'est-ce pas, c'est mort. Et il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, dont les chrétiens aussi sont semblables aux arbres. Il dit les vrais chrétiens portent des bons fruits. La sanctification, la crainte de Dieu, la mise en pratique de la parole du Seigneur. Vous voyez un peu, c'est des gens qui ne peuvent plus se mélanger, qui ne peuvent plus, n'est-ce pas, aller jouer le jumbo, aller jouer la carte, ainsi de suite. Tu ne peux plus jouer ces choses-là. Aller au casino, aller jouer, tu ne peux plus faire ces choses-là. Il dit, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. C'est clair, c'est clair. Si tu n'es pas réellement chrétien, tu ne peux pas te sanctifier. Donc, frère, ça ne sert à rien de te poser des questions. Oh non, pourquoi? Non, tu n'es pas chrétien, voilà pourquoi en fait vivre en concubinage pour toi, ça ne te dérange pas. Oui, et par la suite, ça veut dire, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc ça veut dire, tous ceux qui ne vont pas expérimenter la naissance d'en haut, tous ceux qui ne vont pas vivre la vie de sanctification, frère, la Bible dit qu'ils seront jetés au feu. Ouais, c'est écrit, le feu. Le feu. Donc à chaque fois que tu vas avec cette femme avec laquelle tu n'es pas marié, ou cet homme-là, tu es dans un péché. Même tu vas à l'église, tu payes ta dîme, tu payes ton impôt, mais si tu meurs, tu vas aller dans un lac de feu pour l'éternité. Et c'est le temps de nous repentir. Voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, permet à ce qu'un évangile, n'est-ce pas, qui paraît dur, mais qui est nécessaire, n'est-ce pas, pour nous, parce que cet évangile nous amène à la repentance véritable. Oui, et la suite, la Bible dit quoi? Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, pour reconnaître un vrai enfant de Dieu, pour reconnaître un vrai prédicateur, ben, ce n'est pas parce qu'il prêche la Bible, mais il faut connaître, il faut voir sa vie. On voit aujourd'hui, n'est-ce pas, comment des chrétiens divorcent pour se remarier. Frère, c'est des scandales. C'est des scandales. Or, la Bible nous dit que Dieu est le divorce dans Malachie. Voyez? Les gens on est dans des scandales en scandale. Des chrétiens, n'est-ce pas, qui s'exposent dans les réseaux sociaux, où la nudité, n'est-ce pas, des conjoints est exposée. Tout est mis, n'est-ce pas, sur Internet. C'est vraiment, n'est-ce pas, le carrefour, n'est-ce pas, de la perversion, le carrefour de la débauche, le carrefour, n'est-ce pas, de la destruction, n'est-ce pas, des fondamentaux, des lois, un peu, voilà, des lois qui sont censées, n'est-ce pas, permettre à l'homme de vivre, n'est-ce pas, en accord avec le Seigneur. Voilà un peu, c'est complètement sur le bazar. On voit tout est permis. Jésus-Christ dit, c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître, à leurs fruits. Ce n'est pas parce qu'ils prêchent bien, ce n'est pas parce qu'ils s'habillent bien, ce n'est pas parce qu'ils ont une grande Bible comme je l'ai aujourd'hui, comme je l'ai sur moi là. Non, mais c'est le fruit. Le fruit, ça veut dire c'est la vie. Quelle est la vie, n'est-ce pas, que tu mènes? Quel est le fruit, n'est-ce pas, que nous portons? Et frère, le feu étranger est rentré dans les églises. Dans Exode chapitre 32, nous allons lire cette histoire-là, qui va beaucoup, n'est-ce pas, parler à nos cœurs. Les familles sont cassées, les familles sont divisées, les enfants deviennent de plus en plus rebelles à leurs parents. Ben pourquoi? Ben c'est parce que les valeurs du Seigneur ont été jetées dehors. Les valeurs du royaume ont été refoulées.
Les gens aujourd'hui, n'est-ce pas, veulent bâtir selon le monde, ne sachant pas qu'en bâtissant selon le monde, mais c'est tout simplement, n'est-ce pas, nous imprégner d'un modèle établi par le diable. Les enfants qui menacent leurs parents, les parents qui ont perdu, n'est-ce pas, tout pouvoir devant leur enfant. C'est dommage de parler ou encore de constater de telles choses. Mais oui, nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, qui est tellement en envers. Et parfois, tellement touché, attristé, que nous n'avons que les larmes qui coulent de nos yeux. Parce que c'est triste de voir comment, n'est-ce pas, le monde va de mal en pire. Comment une jeunesse est en train de se détruire. Une jeunesse qui s'est détruite dans l'alcool, dans le sexe, dans l'immoralité, dans la débauche, dans le paganisme complètement. Et même ces jeunes qui pensent, n'est-ce pas, trouver des modèles dans les églises. Quand ces jeunes arrivent dans les églises, les pasteurs abusent des jeunes filles. Des jeunes garçons sont harcelés par des mamans qui ont l'âge de leur mère. Ces choses-là, dans l'église, c'est la confusion. Des gens qui avortent dans l'église. Des gens qui font des prêts avec intérêt dans l'église. On fait des pique-niques chrétiens à la plage avec maillot de bain, où les frères sont en calicif, torche nue, les femmes sont en maillot de pièces. C'est l'église tout ça. Mais quelle église? Quelle église? Est-ce l'église de Dieu? Est-ce l'église de Yahushua? L'église de Jésus-Christ? Mais non, ça c'est l'église selon le modèle du diable. Alors voilà pourquoi, frère, ben, même si cet évangile paraît, semble être dur pour toi, ben, c'est normal. C'est normal. Lorsque notre chair a été déchirée, nous sommes blessés, l'alcool ou l'eau de Javel ne vient pas pour te caresser, mais ça vient pour te faire mal. Et c'est derrière cette douleur-là qu'il y a la guérison. Et la parole, lorsqu'elle vient, n'est-ce pas, elle secoue notre cœur. Ne résiste pas. Ne nous endurcissons pas. Il faut accepter cette parole-là parce qu'elle va produire, n'est-ce pas, en toi la vie pour l'éternité. Alors, regardons, n'est-ce pas, dans Exode 32, à partir du verset 1er, regardons l'attitude, n'est-ce pas, des Israélites qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont connu, n'est-ce pas, qui ont expérimenté la fidélité et l'amour de leur Créateur. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Voyez, Moïse n'est plus là. Ils vont appeler Aaron. Et Aaron aussi, qui était le compagnon d'œuvre de Moïse, il va aussi accepter, n'est-ce pas, de se laisser corrompre par le peuple. Ils vont chercher, n'est-ce pas, un Dieu selon leur cœur, un Dieu selon leur désir. Aujourd'hui, le Dieu qu'on nous montre, n'est-ce pas, qu'on nous prêche dans les assemblées, c'est un Dieu qui se soumet à ce que nous, les hommes, on veut. Ce n'est plus nous qui devons obéir au Seigneur, c'est maintenant le Seigneur qui doit nous écouter, il doit nous obéir. Frère, c'est grave. Il dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, frère. Quelle abomination. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Voyez, ils avaient les yeux sur Moïse. Alors que Moïse leur montrait Elohim, Moïse leur parlait de Dieu, mais eux, ils sont tellement, n'est-ce pas, vous savez, les hommes aiment quand ils sont manipulés, les hommes aiment quand on leur enseigne, n'est-ce pas, on leur met dans le joug. Oh mon papa, l'homme de Dieu, le pasteur, il y en a qui écoutent même les pasteurs plus que Dieu, il y en a, n'est-ce pas, qui ont pris des prédicateurs, n'est-ce pas, comme des dieux. Nous ne savons ce qu'il est devenu. La suite. Oui. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains et jeta de l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, les gens, l'idolâtrie, le culte des hommes, le culte des idoles,
les gens vont prendre, n'est-ce pas, l'or qu'ils ont, ils vont constituer un veau et ils vont adorer ce veau-là. Voyez un peu. Et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu. Donc, ils vont adorer, n'est-ce pas, une idole. Ils vont adorer la matière à la place du Créateur. Et dans les églises paganisées, frères, on adore les hommes. Les gens se prosternent devant les hommes de Dieu. Ils se mettent à genoux parce qu'ils veulent recevoir des impositions des mains. Voyez un peu. Voilà, on accepte tout. Tout. On vit dans un monde complètement, n'est-ce pas, dans le chaos. Dans le chaos. Les gens sont adulés, les gens sont exaltés, les gens sont vénérés, les gens sont acclamés, les gens sont élevés au rang de Dieu, vie éternelle, des hommes. Vous voyez, on vit dans un monde, frère, où des grands péchés, des choses abominables se font sous nos yeux, mais tellement que les gens sont aveuglés, très peu de personnes, n'est-ce pas, discernent que nous vivons des temps de la fin et que bientôt la colère de Dieu va s'abattre sur, dans ce monde, n'est-ce pas, impie, ce monde idolâtre, ce monde, n'est-ce pas, rempli de méchanceté, ce monde où les démons possèdent des gens de plus en plus. Vous voyez? Ben, c'est exactement ça. Alors, que devons-nous faire? Nous devons continuer, n'est-ce pas, à fonctionner selon le train ou selon le courant de ce monde? Mais bien sûr que non. Alors, il est temps, n'est-ce pas, de saisir la voix du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Hébreux 3, que si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs. Voyez un peu? Laissons le Seigneur, n'est-ce pas, rentrer en nous au moyen de sa parole, afin de transformer nos vies, afin de nous changer. Oui, Jésus-Christ est capable de changer. Jésus-Christ est capable, n'est-ce pas, de libérer, peu importe le péché dans lequel nous nous trouvons, peu importe, n'est-ce pas, l'état actuel de notre vie, Jésus est capable de briser n'importe quel verrou. Jésus est capable de briser n'importe quel cadenas spirituel. Ou un peu, les cadenas qu'on vous demande à porter dans les églises, ou un peu, les habits rouges, là, les habits, on vous demande de vous habiller en rouge, de vous habiller en noir, ou bien de vous habiller ainsi de suite, d'amener les plats avec le sel, ainsi de suite, frères, sœurs, ce n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que des arts magiques. Ce n'est que de la manipulation. Vous vous faites manipuler, n'est-ce pas, par des brigands, n'est-ce pas, qui se comportent, n'est-ce pas, en prédicateurs de l'évangile. Mais ce ne sont rien d'autre, n'est-ce pas, que des apostats, des loups ravisseurs. Voilà. Parce que Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un, n'est-ce pas, d'apporter un plat ou bien de porter un habit rouge pour venir l'adorer. Ça n'existe pas. Vous voyez un peu? Ben, ça, c'est de la franc-maçonnerie. Et l'église apostate, n'est-ce pas, ben, c'est des choses qu'on accepte. Les danses mondaines. On danse le ringo, on danse les coupés décalés. Ces choses-là sont dans les églises. Ben, c'est la confusion. Vous voyez? Les chrétiens superstars, les chrétiens gospels, les chrétiens héromènes. Vous voyez un peu? Ben, c'est aujourd'hui, frère, c'est la confusion. C'est vraiment la confusion. Et Paul dira à Timothée, il dit, éloigne-toi de ces gens-là, combat le bon combat de la foi. Il dit, garde la foi et combat le bon combat. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, ont fait naufrage quant à leur foi. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, ça devient beaucoup plus, n'est-ce pas, une affaire personnelle. C'est ton Dieu, c'est avec d'abord toi et ton Dieu, toi et ton Créateur. Qu'est-ce que ton Dieu particulièrement te dit à toi? Ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, où il faut regarder à gauche, à droite. Non, c'est le moment où chacun doit se poser la question, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que ma vie est en bon état? Est-ce que ma vie à l'heure actuelle, n'est-ce pas, plaît au Seigneur? Vous voyez? Voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur a inspiré cette émission. Réveillez-vous, parce que le but, c'est quoi? Le Seigneur veut vraiment, n'est-ce pas, nous secouer, parce que beaucoup sont endormis. Beaucoup sont endormis. Ouais, la Bible dit, n'est-ce pas, que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Mais la mort peut réagir, peut intervenir à n'importe quel moment. Mais écoutez, mais si nous n'avons pas préparé, n'est-ce pas, notre départ sur terre, où iras-tu après ta mort? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Le diable est tellement rusé. Ben, qu'il a su, n'est-ce pas, déconnecter plusieurs personnes de la pensée du Seigneur. Mais, comme notre Elohim, notre Dieu, il est amour, alors il ne nous laisse pas. Il sonne, n'est-ce pas,
les cris d'alarme. Il suscite des trompettes afin de parler au cœur de son peuple. C'est encore possible. Toi qui écoutes ce soir, c'est encore possible. Tu peux sortir du péché. Tu peux abandonner cette vie. Ne vois-tu pas comment tu es misérable? Ne vois-tu pas comment depuis que tu cherches à servir Dieu de tes propres efforts, tu n'arrives pas? Ça ne sert à rien de te maquiller, de donner une apparence devant les hommes, alors que dans ton fond intérieur, tu sais que ta vie ne va pas bien. Tu as besoin d'aide. Jésus-Christ se délivre. Jésus guérit et Jésus sauve. On pourra beau donner des fortes sommes d'argent aux hommes pour obtenir de la délivrance ou bien pour recevoir, n'est-ce pas, des indulgences venant d'eux. Mais si on ne passe pas par le Seigneur, on ne connaîtra jamais ce que c'est la délivrance. Et là où il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas le repos. Et là où il n'y a pas le repos, il n'y a pas de paix. Or, ces trois choses, repos, paix, délivrance, se trouvent en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu reçois Jésus-Christ, tu expérimentes la délivrance. Tu expérimentes le repos véritable et tu as la paix dans ton cœur. Même si il s'agissait, n'est-ce pas, d'une question de mort, les vrais chrétiens n'ont pas peur de la mort parce qu'ils savent où ils iront. Ils ont l'espérance qu'après la vie terrestre, ils iront au ciel, passer l'éternité avec le Seigneur. Mais toi, il y en a qui ont encore peur de la mort. Quand on parle de la mort, ils sont troublés. Ils jouent des forts. C'est juste, n'est-ce pas, pour cacher un sentiment qui les trouble. Un sentiment, n'est-ce pas, qui les traumatise. Ils ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas où ils iront après la mort. Beaucoup sont perdus. Alors Jésus, n'est-ce pas, veut t'éclairer là-dessus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous exhorte, pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, ou bien si tu as connu Jésus-Christ et puis tu es retombé dans le péché, c'est le temps, n'est-ce pas, de te repentir, c'est le temps de te réconcilier avec ton Créateur. Réveillez-vous, n'est-ce pas, du sommeil, car bientôt la fin de toutes choses. Que Yahweh, Adonai, Elohim, soit le Dieu que vos cœurs désirent réellement. Que Adonai manifeste sa miséricorde envers ses enfants. Ma prière est que Dieu, par la puissance de l'Esprit, brise toute forme d'incrédulité dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute maladie quitte les corps, au nom de Jésus. Seigneur, attire encore à toi, Papa. Viens produire la conviction, viens mettre la conviction des péchés dans les cœurs, afin qu'il y ait des véritables conversions, des conversions authentiques, et que des vrais chrétiens, n'est-ce pas, t'adorent en esprit et en vérité, car tu as dit que c'est là, n'est-ce pas, des adorateurs que tu veux. Pas des adorateurs, n'est-ce pas, qui sont dans le péché et qui te confessent des lèvres, mais leur vie, n'est-ce pas, ne témoigne en rien du tout, n'est-ce pas, que tu es passé par là. Non, Seigneur, tu veux des personnes qui confessent et qui vivent, des gens qui parlent et qui vivent aussi la parole. Papa, sois béni, que ton nom soit élevé. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, paix et grâce.